Gérard, qu'est-ce que tu fais là, sur ta chaise? T'es tout triste. Oh, on a un spectacle à faire, là, il y a le public est là. Qu'est-ce qui se passe, enfin? J'ai la trouille, j'ai le trac. C'est la première fois que ça m'arrive. Enfin, à ce point-là, je veux dire, c'est horrible. Mais le trac se soigne très bien maintenant, grâce à l'homéopathie. Vous prenez une petite pilule tous les matins et tous les soirs, 6 mois avant votre nouveau spectacle. L'idéal ayant chanté tout l'été se trouva bien embêté quand il fallut tout ranger. Mais par où vais-je commencer? Il y a de la pagaille partout. Une chatte ne retrouverait pas ses matous. Elle en fut découragée et allait s'allonger. Tu peux chanter tant que tu veux. Il faut bosser un petit peu. Alors là, Gérard Cuve me tend une de ses perches. Les yeux battus, la mine triste, les yeux blêmes. Je ne dors plus. Qu'est-ce que tu me prépares? On va voir justement. Un coup fourré. Non, pas du tout. Vas-y, est-ce que tu es capable de nous chanter ça? Vas-y, je t'en prie. Une cloche sonne, et le soir est dans le vent, obsédante et monotone. Elle redit ton vivant. Des amours du Rhône et de la Saône, la Linotte, charmante petite rivière, prit sa source par un clair matin d'avril au pied de la colline de Fourvière. Toutes les divinités lacustres et fluviales de la région vinrent assister à sa naissance et les plus belles, les meilleurs auspices semblaient présider à sa destinée. Il est revenu le temps du muguet. Comme un vieil ami fatigué, il est revenu flâner le long des prés jusqu'au banc où je t'attendais. Une fois que le temps s'achète et que l'on s'aperçoit tout bête qu'il y a des épinoses. Rosa, 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 rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosa, 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 rosa,